Je vois que tu as trop misé sur une troisième femme. Et si tu découvrais qu'il n'y a pas de femme, que ferais-tu? Dis donc, laisse-moi. Tu commences maintenant à cacher encore les trucs dans ta file dont tu ne veux pas me dire. Hein? Comment tu couvres des gens dans ta file comme ça? Moi, je sais qu'il y a une femme parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Avant, je soupçonnais, mais maintenant, là, même si tu me demandes de mettre ma tête au feu, je le ferai. Je suis sûr que dans ta file a une maîtresse dehors. Même si tu me dis que quoi. En fait, tu viens de parler des signes. Donne-moi des détails, si tu as des preuves. L'autre jour, oui. De mes propres yeux, j'ai vu une ta fille aller se laver au marigot. Ta fille se lavait toujours à l'eau chaude. Et en partant, tu sais ce qu'il a fait? Non, dis-moi. Il a pris toute la savonnière. Mais... Il a pris le gant de toilette. Il a pris la pierre ponce, la brosse, tout ça. Pour aller se laver. Oh, quelle révolution. Ntafil qui disait qu'un vrai homme, c'est celui qui sent le bout. Aujourd'hui, le gars se lave, c'est-à-dire que jusqu'à tailler ses ongles. Mais ça. C'est donc ça le problème, Bernadette. Bon, entre nous, qu'est-ce que vous voulez, maman juste? Non, là, je ne vous comprends plus. On se lave, vous criez. On ne se lave pas, vous criez. À la fin, qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai que Ntafil n'était pas un homme sale. Bon, tu vois, les gants qu'il utilise là, Ntafil n'utilisait jamais ça. La pierre ponce, là, il ponce derrière sur ses pieds. Il disait que normalement, le corps d'un homme doit être un peu rigueux. Mais il ponce derrière, il n'a même plus de corps au pied. Ntafil, sa peau est déjà devenue douce. Alors là, je ne te comprends plus. Tu m'as dit tantôt que Ntafil ne te touche plus. Alors, comment tu sais que sa peau est devenue tendre? Ouais. Tu es toujours l'avocat de ton frère. Il dit que ça se voit. Si déjà à l'œil, nous, on voit ça. Ah bon? C'est que c'est grave. C'est qu'il y a quelque chose que tu ne connais pas. Oui, c'est quoi? Ton frère et ami Ntafil se oindre déjà. Ntafil? Ouais. Se oindre? Ouais. Comme je te dis là. Il dit qu'il y a un moment, mon lait de toilette baissait là. Je me demandais, mais qui venait même voler, diminuer ça et tout, et tout, et tout. Un jour, ta fille est rentrée du marigot. J'ai suivi ta fille dans la chambre. Je n'ai pas trouvé le gars en train de secouer mon flacon pour se oindre. Et toi, tu es là, tu couvres, tu ne veux pas me dire la vérité. Tu me dis qu'il n'a pas une femme dehors et tout, et tout. Il prend maintenant soin de son corps là, c'est pour plaire à qui? Mais une femme? Peut-être à toi, non?
Mais qu'est-ce que tu fais ici? Où? Mais sur mon sentier. Comment ça ton sentier? Il y a un gros arbre là-bas, devant, que je dois abattre pour le compte de Barthé. Je vais scier les planches pour sa maison. C'est pour ça que je parle de mon sentier, parce que ça m'appartient. Ok. Attends, attends. Quel arbre? Moi, je sais qu'il y a un gros ici, par là. Oui. Et mais... c'est de là que j'en reviens. Oui, mais c'est de cet arbre que je parle. Mais comment se fait-il que tu le connaisses si bien? Tu sais que je suis chasseur. Je connais bien cette forêt par cœur. Oui. Surtout ici, aux abords du village. Oui, oui. Et okay. Puis, j'étais là tout à l'heure sur cet arbre-là. Je peux me t'indiquer où trouver telle feuille, où trouver telle herbe, où trouver tel arbre. Comment tu me poses ce genre de questions? D'accord. Bon, très bien. Bon, moi je vais travailler. Attends.